Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un tutoriel sur un blues que j'ai composé, qui est un blues qui est en 9 mesures. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire des blues en 12 mesures, ça c'est un peu la base, ou en tout cas un nombre pair de mesures, et puis effectivement ce blues là est en 9 mesures, ce qui fait qu'il y a une cette espèce d'impression que ça ne s'arrête jamais. Ce blues n'est pas forcément hyper compliqué. Je vais vous mettre directement les accords au-dessus pour que vous les voyez, et puis nous allons le parcourir tranquillement. Deux premières mesures, ce qu'on va faire c'est Do suivi d'un Sol avec une quinte augmentée. Donc deux temps pour Do, deux temps pour Sol. Jusque-là, c'est simple. Troisième mesure, on va descendre sur le La. Donc deux temps sur Do, deux temps sur Si bémol. On peut même dire que c'est un Si bémol 6 parce qu'on va mettre Si bémol, Ré et Sol. Do, Si bémol 6. Et suivi d'un La. Pour la mesure de La, on va d'abord jouer en fait deux temps sur un La comme ça, c'est-à-dire un La avec, on voit ici, le La, le Sol qui est la septième du La, le Do dièse qui est sa tierce, le Fa qui est en fait la quinte augmentée. Ceci est la quinte augmentée, et le Si bémol qui est en fait la neuvième diminuée, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9e diminuée. Donc ce premier accord, et ensuite qu'on résout, ou carrément qu'on peut résoudre comme ça. En fait, on descend la neuvième diminuée sur le La, et la quinte augmentée sur la quinte. Je vais peut-être recommencer depuis le début. Donc mesure suivante, on arrive sur un Fa majeur 7, suivi par un Mi 7. Donc ça c'est assez facile. Ensuite on va partir sur un 2-5 en allant sur le La mineur, et puis faire un Ré 7, donc La mineur, Ré 7. Donc je reprends ces deux mesures, Fa majeur 7, Mi 7, La mineur 7, Ré 7, et ensuite on va rester sur le Ré, mais on va le faire mineur. Ce qui va nous permettre ensuite de faire nouveau un 2-5, c'est-à-dire Ré, mineur 7, Sol 7. Mais c'est presque un 2-5-1, parce qu'après on va retomber sur le Do. On va faire un temps sur le Do, un temps sur le Si bémol, deux temps sur le La. Finalement, on va remettre Ré mineur 7, Sol 7, et on arrive en fait à la dernière mesure. Et en fait, pour résoudre cet accord en Do, eh ben, on va se retrouver sur la première mesure. Donc, je vous refais juste la fin, donc Fa majeur 7,
Mi 7, La mineur 7, Ré 7, Ré mineur 7, Sol 7, Do, Si bémol La, Ré mineur 7, Sol 7. Et puis on revient sur Do. On se le refait depuis le début. Do. Sol augmenté. Do. Sol augmenté. Do. Si bémol. La. La. Fa. Sol 7, Do, Si bémol, La, Ré mineur 7, Sol 7, et ça recommence. Alors pour aller plus loin, voyons ce qu'on peut faire. Déjà, je pense que le Do, on peut le faire majeur 7. À la basse, on peut mettre le Si. Et sur le Sol, on peut très bien faire une neuvième diminuée, c'est-à-dire ce La bémol ou ce Sol dièse. Ensuite, donc là, c'est un Si bémol 7. Hein, parce que... Avant, je jouais ça. On peut également faire carrément une 3, 4, 5, 6, faire une sixième. Donc ça c'est la neuvième diminuée, ça c'est la sixième. Avant je faisais cinquième augmentée, qui est ici, mais je peux très bien faire. Après descendre là-dessus. Donc si je reprends. Et donc le Mi, on peut très bien le jouer avec, ici j'ai ajouté une quinte augmentée, parce que ça c'est la quinte augmentée, et ce Sol qui est en fait une neuvième qui est également augmentée, neuvième ici, ça serait ça. Donc Fa, si ça c'est la neuvième augmentée, ça c'est la neuvième diminuée, donc là aussi on peut s'amuser à faire une neuvième diminuée. C'est un Si bémol 7 avec
fort qu'avant. Ce sol avec une neuvième diminuée et puis une quinte augmentée. Alors ensuite, vous pouvez évidemment improviser. On peut effectivement, comme vous avez peut-être pu le constater, rajouter des notes parce qu'il y a des descentes chromatiques, il y a des choses un peu intéressantes. Au début, Do et Sol, bah, c'est assez basique. Donc là, depuis le La, on peut descendre. On est sur le La. Et puis, depuis le Mi, on peut passer sur le La en passant par le Sol dièse. Faire justement cette basse rythmique que j'ai fait dans une précédente vidéo, donc faire des... effectivement la walking bass, je vous laisse un peu regarder ce que j'ai fait aussi comme vidéo par rapport à la walking bass. Ça peut aussi vous inspirer justement sur ces passages. Donc c'est ainsi que se termine ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Vu que c'est une de mes compositions qui n'a jamais été jouée par personne d'autre, modeste composition, c'est volontiers si vous avez envie de vous enregistrer et de m'envoyer vos vidéos, ce sera avec plaisir d'écouter une autre manière de jouer que la mienne. Et puis sur ce, ben on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un super week-end. N'oubliez pas de changer d'heure dimanche, vous aurez la chance de dormir plus. Suivant dans quel pays vous êtes. Voilà, à tout bientôt, et puis prenez soin de vous. Bye bye.